Les spécialistes du TOF, retour sur la victoire d'Aliassat dans la course principale de samedi dernier. Il s'est montré trop fort pour ses adversaires, Aliassat monté par Nouresh Jaglal. L'écurie Simon Jones qui monte en puissance avec un triplé, Ball Phoenix, Northern Spy et Palace Chapel au rendez-vous. Jamir Ali Hossein, retour gagnant. Il s'est signalé avec All Aboard, mais également ce pick-up ride sur Donan. Shadowing profite des circonstances sur 990 mètres, mais nous montre qu'il reste un bon cheval sur lequel il faudra compter. The Forerunner confirme son potentiel. Coursier de l'écurie Vincent Alec s'est imposé dans la dernière course. Et puis, week-end hippique en vue, samedi et dimanche donc, avec la plus belle course dimanche, la Princesse Margaret Cup. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Nous revenons sur le plateau dans quelques instants. Nous allons régler ensemble la victoire d'Aliassat. Départ de cette manche du championnat des 4 ans avec donc bon départ pour The Sultan's Bazaar. Aliassat, Senatla, Aliassat en queue de peloton comme attendu. Senatla, ensuite on retrouve Arabian Air. Lemon Drop Shot va tenter maintenant de se rabattre à la corde devant Arabian Air. Senatla garde la corde. Ensuite on retrouve donc The Sultan's Bazaar en quatrième position. Et puis Aliassat, le favori, Nouresh Jaglal, nullement pressé, va laisser faire les choses pour revenir par la suite. Lemon Drop Shot avec Arabian Air. Donc Lemon Drop Shot se démarque aux abords du tombeau malartique. Arabian Air, puis on retrouve Senatla un peu plus loin. Il y a The Sultan's Bazaar et Aliassat, donc bien retenu par Nouresh Jaglal, toujours à l'arrière-garde avec Lemon Drop Shot pour l'instant, qui tient bon à l'avant. Belle allure imprimée par la monture de Bawam Souffle. Arabian Air reste bien en contact. Senatla derrière The Sultan's Bazaar. Nouresh Jaglal va solliciter un peu maintenant Aliassat, qui je pense va doubler facilement The Sultan's Bazaar. À l'avant, Lemon Drop Shot tente maintenant de creuser l'écart, de faire le trou avec Arabian Air. Senatla est dominé par Aliassat qui continue donc de gagner du terrain derrière à l'entame du dernier virage. Lemon Drop Shot avec Arabian Air. Lemon Drop Shot, Aliassat revient sur lui à l'extérieur. Lemon Drop Shot, Aliassat, Nouresh Jaglal se met à l'ouvrage. Lemon Drop Shot tente de faire une petite résistance, mais peine perdue. Difficile de battre ce champion de l'écurie Gilbert Roussette devant Lemon. Aliassat, tombeur de White River un peu plus tôt cette saison, et Queen Galoup, bon les couches pour la suite. Montrer ce potentiel n'était pas. Oui, après ce belle deuxième place derrière White River dans le Barbé, c'est voilà qui donne l'impression qu'il vient de progresser. Bon, le fil, rien de comparable par rapport à ce qu'il s'est affronté dans le Barbé, mais il gagne le mérite quand même s'il y a une belle victoire dans un joli style, monté en pleine confiance par Nouresh Jaglal. Il fait ce qu'il vient faire, donc en attendant, engagement plus sérieux à l'avenir. Nous revenons sur cette victoire avec plus de détails d'Aliassat, le déco tic maintenant, ça les couche là. Oui, avec le Monty Roberts Blanket, peut-être une sortie encore un petit peu travers, mais mieux qu'il y a de dernier sorti. Un bon train dans les couches là. Sur la partie initiale, les Monty Roberts Blanket, il a insisté pour prendre le commandement avec Dinesh Chauffoul sur le jeu, donc avec seulement 52 kilos. Ben la finale assez vite sur la partie initiale, les premiers 400 mètres finissent couverts en 24-7. Et les Lemon Drop Shot qui maintenaient le tempo, donc un train assez rapide durant toute la course, qui favorise Aliassat. Parce que si tu as envie d'un sens contre Aliassat, tu peux essayer plutôt réduire les courses, faire les sorties sur poids. Mais là, le bon train fin shoot-li parfaitement et Nouresh Jaglal fin déboîté donc à 500 mètres, à 600 mètres de l'arrivée et les fins fondent sur le meneur à l'entrée de la ligne droite et après avoir reçu une petite tape avec la cravache, les fins déploient sur une grande foulée pour accélérer de brillantes manières pour gagner les coussins dans un style très plaisant. Une 37 avec des false rails placés environ 4 mètres, qui a un très bon chrono. Peut-être sans les false rails, nous capable présumer qu'il est capable de galoper N35 facilement dans sa course. Ce val là, tu présentais vraiment dans une très belle forme et l'IP continue de progresser.
prochain objectif, donc la Coupe d'eau, que les beaucoup croisent probablement à nouveau le faire avec White River, mais il paraît qu'il se l'entourage probablement pour essayer de rouler les courses avant donc ça l'échéance. Aliassat qui fait une bonne impression donc sur cette course, en tout cas avec Ben Poitin qui pourra aligner depuis une jolie Coupe d'eau, même si White River il demeure le choix à battre. Norris Jugdal qui mène à bon port aussi à Edita Retreat. Oui, nous rappelle la dernière fois, il était bien critiqué pour cela montre le Sassé Valet, il a battu en Red Moss, mais si la constance des courses passe dans son faveur, cette fois, il n'a beaucoup plus pas dans les courses et il a l'occasion pour cette ce cheval derrière et ce cheval il démontrait une bonne accélération pour domine Marauding. Ah, Edita Retreat, Marauding, c'était le match annoncé lors de cette journée. Oui, nous trouvons Alita Rotrel sorti du quatrième couloir et Jaglar reprend lieu au départ. Marauding donc confie à Tisti après le forfait de Rai Jurawan. Nous trouvons Marauding, Tisti pourtant pas fait une bounce au départ. Et nous trouvons ces vals-là très keen sur la partie initiale. Et Lipa Galoup le nez au vent sur tous les parcours. Il gagne les courses beaucoup plus difficiles par rapport à Alita Rotrel. Nous trouvons Alita Rotrel relax en cinquième position. Marauding, Lili, Pégaloup à l'extérieur ici. Et ce jockey, nous trouvons une difficulté pour cette Lili pendant les courses. Hein. Là, Jaglar pour déboîter. Donc, au passage de la route, les vignes graduellement donc, rapprochées dans le dos de Marauding. Marauding qui, compte tenu des circonstances de course, quand même réalise une performance très honorable. Sa première défaite ici, mais elle y démontrait quand même beaucoup de qualité. Bon, dans la ligne droite, Alita Rotrel éventuellement pour faire la différence, mais possiblement Marauding sera affirmé parce qu'il m'a pensé qu'il un peu intimidé quand il y a eu une veste au lit et une fermée en prenant un sandwich donc, entre Alita Rotrel. Mais c'est là quand même, il y a beaucoup de mérite pour prendre une bonne deuxième place. Là, on a trouvé l'Ikeaïu pour vers l'intérieur. Vers l'extérieur. Oui, pardon. Donc, et bon, ça n'a pas diminué quand même les mérites de Alita Rotrel, Ken Seval, qui est quand même très régulier et depuis le début de la saison et qui signe quand même une belle victoire au finish. Ouais, c'est mieux au niveau de la condition également, comparé à ce dernier participation à Alita Rotrel, qui finit à l'occasion de trouver au paddock, au finish, une bonne performance de Marauding aussi qui tient un rating tout juste de 52, il se prend pas mal de pénalités lors de dernière victoire, ce qui fait qu'il est une fine bizarre, une galoupe, ça les couche là, Marauding. Nous guette classement l'écurie, nous guette c'est que ça donnait côté bande d'entraîneur. Oui, grâce à sa doublée là, donc l'écurie Roussette ravit la tête du championnat donc à l'écurie Ramesho Agadida, mais sa classement-là probablement pour une amende changement, surtout avec le Médène et la présence de White River dans nos rubans bleus, s'il remporte les courses, il pousse certainement un boost pour l'écurie Ramesho Agadida donc dans le championnat des écuries. Oui, 27 000 roupies, si Mofine bien compté, que c'est pas ces deux établissements en tête, même nombre de participations en course, 17 victoires pour l'écurie Gilbert Roussette, 20 pour l'écurie Ramesho Agadida, et l'écurie Agadida qui arrive avec 84 participations, 16 victoires, des 1 758 000, mais talonné de très près par Vincent Allette, 15 victoires en 110 participations. Cet établissement qui peut accueillir BNA Fédé, qui pourra en selle cette semaine déjà à l'entraînement le jockey sud-africain. Donc, ça, c'est la situation chez les entraîneurs. Et nous reste avec ce doublé, Aliassat à Alita Rotrel, signé Nouresh Jaglal, qui nous peut écouter. Nouresh Aliassat a tombé sur mon adversaire, l'OC 100 mètres samedi. C'était pratiquement une victoire attendue. Mais dis-nous un peu, comment ça se va là, ce fond, peut évoluer au fil de ce moment des courses? Un bon petit cheval, cheval très courageux. Ce problème, c'est juste au départ. Hein. Après, je prends Gaeté qui cheval là quand tu viens de Maurice, tu as confinement, tu viens couper ce bon travail, reprend, recouper, reprend.
Peut-être ça c'est un peu désavantageux un peu pour lui au commencement. Mais là, Michel, il peut gagner souvent de galop les courses. Vous trouvez qu'il peut progresser de temps en temps. Et est-ce que vous êtes capable de dire nous, ça c'est vrai, il arrive à ce top ou soit vous pensez qu'il n'a encore une marge? Oui, pour l'instant, je voulais cheval à faire ce qu'il est capable, riche. Hein, je ne vais pas mettre trop beaucoup de pression le cheval là qui me pense. Pour moi, je pense qu'il n'a encore une marge d'improvement. Et voilà, cette fois-ci, il me bien pensé au départ. Et je pense qu'il joue, il pense au départ, il pour tous les temps là à l'arrivée. Nous, je peux dire que ça c'est là capable encore de progresser. Avec 52 kilos, alors qu'il est encore pratiquement, nous avons dit à 80% de son moyen, il est battu par White River. Est-ce que vous pensez, vu qu'il est en coin de masse de progression dans la Coupe d'eau, vu qu'il peut venir sur fraîcheur contre White River, qui peut galoper le 2400 mètres le Méden, vous pensez qu'il est capable de mener à poids égal? Comme on dit, nous voulons ce cheval faire le step by step. Hein, nous ne pas trop fausse parce qu'il y a un bon petit cheval, oui, il bat White River, mais pas sur préparation. In the beginning, vous savez qu'il tire des départ dans les 16, et puis tu viens refaire trial, vingal pour White River, refaire trial, mettre Monty Robert Blanker, vingal Coupe de Barbé, qui tchappé too much for the horse. Mais là, je pensais qu'avec le break, le cheval aime bien Machu. Nous remettons Monty Robert Blanket pour penser au départ. On trouve une sortie, mais pas comme une fusette, mais une sortie assez bien pour lui-même. Mais voilà, je pense un cheval qui a du stress, lui, et aussi fait ce qu'il a besoin de faire. Et nous avons dit qu'avec Heidi Tarot Trail, c'était la confiance s'afficher sur ce coursier malgré la présence de Maroudin. Non, mais pour moi, Maroudin, c'est un bon cheval, oui, définitivement, mais seulement qu'il. Il ne faut pas oublier qu'il y a des galopé avec un plus bon cheval que Maroudin. Là, je pensais que Maroudin peut arriver à un niveau que l'Ali pour gagner un comme Tarotel, pas trop l'office d'un cheval comme ça, mais ce tâche n'est pas facile à chaque fois. Mais comme on dit, pas veut dire qu'un cheval qui a 4 coups, 5 coups, veut dire qu'il pourrait se gagner pour lui-même. Tout cheval est dans cette limite que tu as arrêté. La dernière fois, il est à Rotrel, tu perds. Mais aujourd'hui, Maroudin, il perd. Demain, peut-être tous les deux, jeunes ensemble, résultat peut-être renversé pour les deux chevaux, parce qu'il a le poids aussi pour faire différence. Mais c'est ça qui nous faisait prendre compte après que le cheval arrive à cette limite, cette limite. Minnesota Dream nous connaît très attendu dans la 8e course. Il finit 4e derrière Donan sur 1365 mètres. Paraît qu'il tout finit jouer un peu l'eau sur le départ, ça fait une coûte un peu une meilleure position à l'arrivée. Oui, il y a un peu délicat au départ, ce cheval-là. Comme on était la dernière fois, même quand il s'est gagné, je suis tombé jusqu'à l'entrée de stall. Toujours, il y a un peu nervé. Il n'est pas bien settled down, peut-être dans le stall où il joue les courses. Je pensais peut-être que la distance aussi, il va faire un peu plus bien. Et justement, à cause de la distance, Iron Wolf, 1850 mètres, vous pensez que la distance est un peu trop longue pour son aptitude? Iron Wolf, peut-être oui. Je peux dire que 1850 peut-être un peu trop long pour lui, et surtout Blinkers. Je pensais que c'est un cheval à revoir, chaîne 1500, 1600. Et vous pouvez pas expliquer nous qui fait cette canelle, puis penser les temps pour retrouver? Oui, c'est un nouveau qui m'a pensé qu'il faisait un peu de galop. Mais il donne un galop assez satisfaction la dernière fois, samedi. Je suis bien happy avec lui. Et m'a pensé qu'il allait dans les bonnes voies, qu'il peut progresser. Et j'espère qu'il lui aussi, il passe la ligne d'arrivée bien à bientôt. Nouris, nous connaissons à la Princess Margaret Cup. Nous connaissons comment vous roule the night dans les courses là. Comment il passe sa préparation? Non, le roule the night, il a bien pensé les courses quand il a gagné la dernière fois. Il a couru bien et cette fois-ci, il peut venir pour défendre son propre titre. On espère qu'il nous gagne bon la ligne et le cheval aller très bien. Et comment qualifier la forme de Patrol Officer qui est vraiment un modèle de régularité? Ouais, le Patrol Officer, les Patrol Officer. Hein. Difficile pour faire lui confiance comme si il était dans ce bar le second travail. Quand il travaille ou pas pourquoi, même si il déjà gagné les courses, mais un cheval qui gagne 6 victoires d'affilée. Je pensais que ça n'arrive pas à l'air, qu'on nous oublier sur la façon qu'il travaille et plutôt concentré quand il a le plus. Mais oui, il y a un cheval qui peut gagner pour l'instant, mais comme on dit, tout le monde dit, tout le monde dit, il n'est pas facile pour gagner 6 coups, 7 coups
d'affilée. Je peux gagner, je peux monter dans une catégorie, je peux jouer un nouveau cheval qui pour amener la vie dire. Et comment juge la forme de Watch Me Dad? Oui, un cheval qui est bien mal sensé depuis qu'il a gagné. La dernière fois, un est tombé à côté de lui en interférence. Deux chevaux qui nervaient de salle à côté de lui-même. Et la dernière fois, quand Dinesh a ralenti un peu chez World Connected, il a ralenti un peu trop vite parce que mon cheval il monte le link Clipso Hill. Là, si il est bienvenu, il donne un courage à second place. Mais je pensais qu'un cheval qui, si tout passe correct pour lui, pour l'arriver. Et un autre cheval encore, nous connaissons qu'il est content, galop l'eau sous fraîcheur, c'est Candy Apple qui peut revenir après un petit break. Est-ce que vous êtes capable de confirmer que ce cheval-là il retrouve son forme? Candy Apple est un cheval qui est un peu délicat dans les courses, il est un peu green dans ce bon running. Quand vous avez le contour, il est un peu in and out, il n'est pas bien concentré dans ce bon virage. Mais mon pensée là, avec la maturité qu'il a déjà fini de gagner les courses sur 1400 mètres, mon pensée ça peut amener un peu plus mature maintenant et j'espère qu'il est pour là. Nouris, un cheval qui donne un bon feeling, est-ce que vous pensez pour un big runner la prochaine fois? Oui, le côté de base de travail, surtout, un cheval qui mon pensée mérite une victoire, c'est Watch Me Dad. Hein. Il est bien mal sensé, mais mon pensée qu'il fait public content. La première fois qu'il s'est galopé, je pensais que tout y croit dans ce sens. Mais il ne faudrait pas ignorer ce cheval-là, parce que, comme on dit, ben, c'est à constance et course, il coûte la victoire. Mais on espère cette fois-ci, ce n'est pas le cas. Voilà les impressions de Nouresh Jaglal au micro de Kamlesh Rajkumar. Noël du côté de l'écurie Simon Jones, un triplé. Et entre Bull Phoenix et Palace Chapel, Northern Spy, qui retrouve ses bonnes sensations depuis une revue à la compétition après que les Tissaniers nous rappellent Northern Spy, mais nous venons d'abord avec Bull Phoenix. Oui, Bull Phoenix qui a bien galopé de ses débuts, battu par Memphis Mafia, son entraîneur décide pour Mignali les Blinkers, et il profite un peu du retrait de Godestown un peu avant le départ, donc pour retrouver seul devant la salle des courses, il gagne le loisir, contrôle les opérations, il gagne une victoire assez confortable à la fin. Bull Phoenix qui vient débuter d'ailleurs chez nous. Et nous venons sur cette première course, quand nous y retrouvons à 5 par temps finalement. Oui, Rakesh Bhagirathi prend le commandement très rapidement devant son propre compagnon d'écurie River Films, qui est monté par le jockey Kali Charan. Et il contrôle les coussins sur la partie initiale. Et il peut accélérer graduellement le tempo à partir du 1000 mètres. Et à la fin, il peut remporter une victoire assez confortable, même si, comme c'était le cas lors de ses débuts, il hang in badly quand il rentre dans la ligne droite. Nous trouvons malgré le port des ailes, ce cheval-là encore quand même assez green. Il n'est pas le rôle de l'appui des bas. Heureusement, Patina Seval a sur l'intérieur. Oui, il est en Bhagirathi tire la cravache. Seval là, hanging, mais il kept on going dans la ligne droite et il gagne les coussins confortablement devant River Fame, sauteur d'une bonne deuxième place. Un Seval qui est sans doute en cours pour prendre Bull Phoenix, lit de bien plus distance pour exprimer lui. Et on en trouve la victoire de Bold Phoenix avec Rakesh Bhagirathi. Oui, c'est un coup d'œil derrière pour qu'il laisse frapper dans ses valeurs sur l'intérieur. Passe sur la langue, sur le mot, on a l'impression aussi. Oui. Mais c'est un cheval certainement qui encore manque de maturité, qui est capable définitivement encore progresser à l'avenir. Voilà. Bull Phoenix pour sa première victoire au champ de Moss. Nous avons Northern Spy qui, nous l'avons déjà dit, retrouve-lui très bien dans cette course. Oui, tu peux retourner après un problème pulmonaire, mais il remporte une belle victoire au finish sous la selle de Denis Souffol. Il gagne beaucoup de mérite parce qu'il est gêné assez sévèrement sur la partie initiale, mais il revient à la charge dans la ligne droite pour signer une belle victoire au finish. Northern Spy dans les courses côte la barre de basse tient alignée. C'est Wavebreaker qui peut le diriger les opérations. Oui, nous trouvons au départ
Hedge of Sun sortit un peu de travers et on la basse squeeze un peu en Yosen bien réponse au cheval entre Hedge of Sun et Viking Trail. Donc du coup, on la basse retrouvée plus en retrait. Là, nous pourrions être interférence subie par Norman Spy, Wavebreaker aux avant-postes et Hedge of Sun pour le rabattre devant Norman Spy et Dine Souffle, nous trouvons en grande difficulté. Plusieurs réponses sur ses voies pour ne pas clipper les heels de Hedge of Sun. Hedge of Sun qui ne rabatte qu'en est parti tout à fait clear. Et Nishatia pour les coupes, deux semaines de suspension pour sa faute là. Mais heureusement, par la suite, nous trouvons Dine Souffle réussit, garde sa position et Lee Settle sur ses voies dans le dos de Hedge of Sun. Elle n'épouse que de patiner beaucoup de train avec Waybreaker. Donc, il essaye piège sur mon adversaire en profitant pleinement de la décharge de la pantine à Bill Bachamia. Là, Norman Spy pour un mot sur l'attaque à l'extérieur de Hedge of Sun. Et il peut produire la meilleure accélération dans la ligne droite pour Domine, All About the Bass qui peut bien terminer à l'extérieur et Dollar Tractor qui peut prend la troisième place à l'arrivée à l'intérieur. Northern Spy, All About the Bass, Dollar Tractor, Viking Trail. Souffle signalé une première fois lors de cette journée. Bogey retire, amène un doublé par les Chapelle qui finit triomphé aussi. Oui, dans le même style que sur Ball Phoenix, par les Chapelle qui finit contrôle les opérations à l'avant pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars. Palace Chapel qui s'est aligné contre Tower of Wisdom. Nous trouvons Bagheretti prend le commandement assez rapidement et une fois qu'il est devant, il pose la main, les chevaux relaxent. Premier 400 mètres à l'écoute, ça finit galop dans 27 secondes, donc très assez modéré. Et à un moment, nous réjouissons essaye tente même tactique qu'il a au Rule the Night, essaye surprendre Palace Chapel comme c'était le cas la dernière fois, mais Rakesh Bhagirathi pour réagir promptement, donc pour contenir l'attaque de Tower of Wisdom. Par la suite, il pourrait laisser ses chevaux souffler avant de manier un dernier effort lors du sprint final. Palace Chapel qui peut terminer les courses en 24 secondes, donc difficile dans ces circonstances pour un cheval qui vient de hier. Une bataille, il gagne une victoire assez confortable à la fin et lui permet à l'écurie Simon Jones de signer un brillant triplé. La victoire de Palace Chapel. Tower of Wisdom, troisième, Ideal Secret pour finir second. Bhagirathi qui montrez-nous qu'avec ban matériel correct, ouais, il peut deliver the goods, que ce soit de l'avant ou de l'arrière, il peut tirer sur l'épingle du jeu définitivement. D'ailleurs, pour l'écoute, Rakesh Bhagirathi. Rakesh a un doublé samedi. Nous connaissons qu'il a gagné avec Ball Phoenix et Palace Chapel. Paraît que sa blinkers là finit bien aider Ball Phoenix dans la première course. Oui, bon, il est bien aidé. C'est ce cheval-là qui est plus en haut depuis le premier coup de galopé, un petit peu plus en ça. Mais malheureusement, je n'ai pas servi Blinkers. Mais tu as beaucoup critiqué le Salamont de Ball Phoenix. Tu as même certains journalistes qui font beaucoup de polémiques. Mais moi, je désire sa victoire-là, spécialement parce que comme ça, je suis capable d'aider un peu le public plus pour connaître les courses. Au lieu de dire qu'il m'a dit Cravas, tu as dire que tu mettre Blinkers pour gagner les courses. Donc, je désire ça spécialement pour certains qui me critiquent, surtout un camarade qui est en Angleterre. Et vous pensez que Ball Phoenix est encore une marge de progression? Bien sûr, oui, il est capable de progresser encore, mais il est toujours encore Green Saint cheval qui peut encore et en prendre pour l'instant. Palace Chapel, une victoire tendue, c'est vraiment une strong galopeur. Il démontrait qu'il y a une deuxième accélération dans les derniers 400 mètres. Paraît que c'est un coursier qui nous faisait laisser stride aux avant-postes. Exactement. Il y a une course assez facile, il trouve lui devant, patine encore fond train. Donc, on a le devant, il doit dicter mon propre train. Et donc, quand je vais le dire, la ligne descend normalement, je vais le à l'encre un petit peu, c'est là qu'il m'a gagné les courses. C'est un cheval qui est quand même assez strong devant quand il fait ce propre train.
Viking Trail, quatrième des Yen Oven Spy. Nous connaissons que ça, c'est valable. Tu as pu souffrir sur castration en début d'année, mais graduellement, les retrouves se forment. Est-ce qu'il y a de nous feeling que ça, c'est valable et comment on se retrouve sur conditions optimales? Oui, mais pour venir, mais nous avons attendu également encore une fois ou deux parce que c'est un cheval qui souffre sur castration et il a perdu beaucoup de poids au balance. Donc peut-être dans l'avenir, il pourrait venir un meilleur cheval. Après, nous avons un l'entraînement. On a eu l'occasion de montrer l'impressionnant Hubble qui était vraiment quitte sur mon adversaire la fois dernière. Est-ce que ça s'est valable de nous l'impression depuis qu'on monte en puissance? C'est un jeune cheval, c'est sa façon de galoper, qui est un cheval qui ne pas attrapé trop dans les courses, donc c'est ça qui gagne les courses. On espère qu'il nous regagne les courses pareilles comme ça. Et comment qualifier la forme de Gimme the Rain? C'est un cheval qui n'a pas de nous non, grand-chose dans l'entraînement. Et c'est un cheval qui, lui aussi, il est là, il a fini de gagner les courses, un coup de second, donc nous faisons get-les galoper encore. C'est un cheval qui s'améliore de nous quelque chose dans l'entraînement. Et Red Moss, quand on a là, paraît vraiment c'est un puissant athlète. Est-ce qu'il y a eu un god sous forme de la dernière fois? Il est pas mal, mais quand même, il finit gagne 3 les courses. Oh, ça, il commence à ressentir ça un peu. Et donc, nous devons attendre qu'il gagne le peu. Marcus, un des man courses qui nous monte à l'entraînement et qui nous donne un bon feeling, vous conseillez votre fils suivre prochainement? Rock Spirit. Ou dites-nous que ça s'est valable de progresser beaucoup par rapport à ce dernier sorti? Oui, c'est un cheval qui est en progrès, c'est un jeune cheval. Et lui aussi, il est encore là, il peut en prendre. Donc, pas qu'à juger sur les dernières courses. Et il a galopé. Nous passons maintenant à Jamir Ali Hossein qui peut effectuer ce retour à la compétition après suspension. Et Jamir tient un bon la montre sur papier. Et c'est finalement une pick-up ride qui permet de gagner ce doublé, l'outsider Dunan. Mais nous venons avec Ola Baud pour commencer. Oui, Ola Baud qui peut retourner 2 semaines après sa bonne deuxième place de la console au voie. Donc, s'aligner dans une classe plus à sa portée. Et il gagne beaucoup de mérite parce qu'il gagne des courses assez laborieuses sur la partie initiale contre les Free White. Mais Jamir Ali Hossein, par la suite, pour réussir cette lit en one-off avant de faire la différence au finish en ligne droite. Une belle monte ici, signée du cavalier mauricien. Vigne sur cette victoire de Ola Baud, la deuxième course. Une trouée est sortie du 9e couloir. Iron Wolf finit dirige les opérations dans sa course. Là, la trouée allée au centre de pression. Il est pratiquement 5e l'épaisseur à ce stade. Il est toujours wide à l'extérieur de Siberian Husky. Peinant beaucoup de train dans les courses. Et ce n'est que donc que peu avant le passage du but qu'il y pour ici, taking à l'extérieur de Eight Cities. Par la suite, il laisse ce cheval souffler. Potawa Tommy pour prendre la direction des opérations avec le jockey chairman donc, en montée. Et graduellement, donc, Jamir Ali Hossein donc, pour commencer à prendre ce cheval et on l'aborde. Ou sortir une belle accélération dans les derniers 400 mètres pour remonter Iron Wolf pour Tawatomi et résister ensuite confortablement à l'assaut final de Bug et de Dream Forest. On la boude de Bug, Dream Forest, One Direction. Potawa Tommy qui n'a pas fini mal galoper, moi trouvé l'entrée. Oui, et Potawa Tommy, le jockey chairman, pour couper une semaine de suspension pour n'avoir pas monté son cheval jusqu'au poteau d'arrivée. Finena Dunan, où Charaz pas fini capable de monter sa course, elle a été touchée lors de cette journée. Dunan confie à Jamir Ali Hossein qui surprend tout le monde oui, dans la 8e. Dunan, c'est un cheval qui a un certain potentiel, mais qui peut tarder pour retrouver la forme. Parce qu'il y a un petit pépin. La dernière fois, après sur les courses, il y a un petit pépin à la gauche. Mais sur l'entourage, il prend beaucoup soin avec lui. Et il a pas si mal travaillé la semaine, au cours des 2 dernières semaines. Et avec une bonne ligne au départ, la montre de Ali Hossein. Lui surprendre les favoris dans sa course. Nous venons sur cette victoire de Dunan. Oui, nous trouvons qu'il prend un excellent départ. Il saute très bien à l'intérieur de Double Games et il fait Double Games travailler un peu avant de céder le commandement. Ali Hossein intelligemment donc
C'est un pick-up ride, il n'est pas connu ce cheval-là, mais il fait ce qu'il vient faire. Un copybook ride de Ali Hossein ici. À partir de là, il peut suivre tranquillement donc, dans le dos du meneur Double Games. Ocean Drive South, pour l'amour sur l'attaque à l'extérieur. Et Donan, donc lui, pour attaque finalement, donc Double Games. Et les poussins, une victoire donc confortable. Première victoire pour sa coursier là, ici au Jean de Mars, devant Ocean Drive South, qui vous prend la deuxième place. Voilà, Donan qui gagne plutôt facilement sous la montre de Jamir Ali Hossein. C'est tellement une grosse source de satisfaction pour son établissement de voir triompher Donan. D'ailleurs, nous pour l'écoute dans quelques instants, l'entraîneur Shirish Narang. Shirish, Donan causes an upset in the eighth race. Can you tell us why the connection fancy this horse this time? We are very happy that he won. Especially, I'm very, very happy for Sylvain. Sylvain, who is my assistant trainer, and Govinda family. This horse was bought last year, and we believe that he had a good scope in the lower benchmark to win on sprints. Unfortunately, this season he had a bad respiratory infection, and it took us some time to manage him and cure him. And before the race, we thought if he was back to what he was, then he's the best horse in the race. That's why we took a chance, and he showed that he was well. And a great run from Berg, second behind favorite All Aboard on 1850. What made you believe he has a distance under the belt? Well, it's very clear. The horse has been racing satisfactory on 1600, 1650. And being getting old now, Berg is 9 years old. It looks like he's lost a bit of the final speed. And he's a horse that is easy to ride. He doesn't pull in the race. So, for me, I thought it was clear that he will jump on 1850 and he will stay on the distance, and he might have a very good finish also, which he proved. He beat the field, and the winner was just too good. And Mr. Cromford is taking time to improve. Can you tell us why the horse is taking so much time to get his form? I think this horse is very difficult to train. He's a horse that he pulls very hard. It's more like it's beautiful to see in the morning. I think it's more like a sand horse, or I may say maybe a morning glory too. But he's coming up nice. I think a couple of more races we'll identify him. We'll see a better Mr. Cromford. And a much better race from Dollar Tractor. Do you think that the fact you remove the headband with him helped him to run better? Well, definitely. I think he didn't like the headband at all. We worked him with it for about 2 weeks. Training was fine, but in the stall he didn't like it at all. Obviously, he ran a nice race without that. Shirish, let's talk a bit about track work. How do you rate the gross gallop of Pietro Mascagni and Rocky Knight Tuesday morning? Well, as you know, Pietro Mascagni, he unfortunately bled in his last race, and so we gave him all his time he needed to recover. I think I assess his gross gallop was a decent work. Nothing extraordinary, but he's better. His main target will be to run the Gold Cup. You told us last time that Toro Bravo suffered a minor health problem. How did he catch up from his run behind Ninutu? Well, after that race, he had a fever. We give him all his time to recover. I guess he's well, but I don't think he's 100%. But we believe that he should run a good race. And Texas Sky, unlucky last time, can he make amends the fact has that he got his form at training? Let's hope so. We need to see who is running in that field. I've seen Vars Express, who is very well. Maybe he might run in this race. If not, Texas is very well, I hope, yes. And can you confirm if Dry Your Eyes improved from his last run? I won't say he's improved, but he's slightly better, but he needs some more time. Shirish, some nice newcomers in the stable, and the best buyer remains Royal Italian. Can you elaborate a bit on his records and what the stable is expecting from him afterwards?
Well, he's highly rated. He's highly rated. He's running 50 plus. He's a nice horse, good model. He's a good horse on the like a miler. I hope he'll do well. He's well bred, and he follows midfield, and he's got a very good, strong, nice turn of foot. Hopefully, he'll be a good horse for us. And about Heike, how did he pick up from his last run? Heike is doing well. Still a bit light. We are struggling to put weight in him. But I think he ran a cracker last time. This is the way we should ride him cold and wait for the straight. Maybe on a further distance next time, he should be a good horse. And any horse you will fancy next time? I guess Heike is the one. And maybe Toro Bravo should run a cracker also. Chérish Narang, toujours au micro de Kamlesh Rajkumar. Shadowing qui confirme sa victoire de la dernière fois et il bat Emerald Ben qui est son grand favori. Oui, il signe sa deuxième victoire, mais peut-être que sa troisième course, il a pu tronquer avec plusieurs chevaux gênés au départ. D'ailleurs, deux jockeys finissent comme bonne suspension dans sa course. Réa Julas qui finit comme deux semaines de suspension et un laman de 25 000 roupies pour une faute qui les finit faire l'Oraïb. Donc, peu après le départ, et Nishal Tia lui également, qui finit les courses avec Shadowing, il écope une semaine suspension pour un incident donc, aux 900 mètres, donc après le départ également. Devine sur ce départ, la troisième course, 990 mètres. Oui, nous trouvons Raïb sorti du premier couloir, il change pratiquement quatre lignes, l'état de sauté, et il fait un ticket holder, Emerald Ben également à l'extérieur, ainsi que In Your Dreams. Man commissaire fin enquête l'os à l'incident là après la journée. Réa Julas fin dire qu'il se séval fin sorti des stalls un peu travers. Mais man commissaire fin dire qu'il les tibisins redirige se séval plus rapidement vers les bas. Les fin plaide non coupable, mais man commissaire fin trouve lui coupable. Et les fin écope donc deux semaines de suspension et un laman de 25 000 roupies. Nishal Tia Ali qui chancelle sur Shadowing et ce cheval nous trouvait une squeeze un peu Vision of Trust qui débalançait Subtropical également un peu en difficulté à l'intérieur. Subtropical qui finit également gêné quand Raïb finit sorti de travers à l'intérieur. Au moins 5 à 6 chevaux gênés donc au départ dans sa découroussa. Shadowing, Tia en troisième épaisseur à ce stade, mais il pour reprendre ce cheval, pour amener lui derrière en one-off à l'extérieur de Raïb. Et il pour revenir dans la ligne droite. Il gagne quand même une belle victoire, Shadowing. C'est un très bon coursier. Une des meilleures acquisitions de l'écurie à Marcy Oudial cette saison. Et il gagne le mérite pour revenir, pour remonter Emerald Ben et signe sa deuxième victoire d'affilée au Sean Moss. Shadowing, Emerald Ben, Raïb, In Your Dreams et les autres. Toi et Thierry, bien redresse ce cheval en même temps. Et Shadowing, deuxième victoire d'affilée pour ce coursier. Damar Sioudial, dernière course de Forerunner, qui est très bien galopé pour ce premier sorti. Kenan, c'est un potentiel. Et même s'il est encore bien green, oui, bien green, et c'est un cheval qui est définitivement capable de progresser encore. Il gagne un petit pépin après ce premier des courses, quand il est bien galopé de take-off mode. Il s'improuve malgré tout, malgré sa petite pépin-là. Il confirme ça en course samedi, pas finir les courses faciles. Mais c'est un cheval qui nous capable d'expliquer qu'il peut improver après sa victoire. Vin, sur cette victoire de The Forerunner, il y a un mandat qui est aligné, Manolet. Oui, au départ, The Forerunner sortit un peu travers, il y a le ferme à mandat, mais il est bon faire sortir qui special force à l'intérieur, il sortit également en travers à l'intérieur, il tape avec Amanda et Amanda il tape avec l'arrière. De le Forerunner et ça fait Forerunner
verse encore plus slowly. Par la suite, donc, le forerunner pour prendre les devants. Dinesh Chauffoul, donc, pour essayer de ramener ce cheval, mais il peut attaquer vite à l'entame de la descente par Middlepuff qui peut ravialer le commandement. Là, mais il n'est pas pour paniquer, il peut continuer à suivre ce cheval maximum dans le dos de Middlepuff. Manolette gagne des courses difficiles à l'extérieur. Middlepuff, donc, aux commandes à ce stade. Amanda Ziz dans les deux de The Forerunner. Et Dinesh Chauffoul, donc, pour sans bousculer ce cheval, il décale à l'extérieur et là, il commence à assister. Il prend le first run sur les finisseurs, mais quand il retourne dans la ligne droite, ce cheval-là, assez green, peut-être un peu également fatigué, et le temps se jockey tire la cravache, vous trouvez ce cheval-là hanging énormément, et il gêne un peu Middlepuff qui s'est déjà battu, et il vient très vite l'eau Amanda, nous pouvons trouver ça l'eau head-on, mais jamais, à aucun moment, il n'y a contact entre lui et Amanda. Nous pouvons trouver les poils coupe devant Middlepuff dans un premier temps. Et là, vitesse qu'il verse à l'intérieur, vous trouvez là, Aliosène pour faire reprendre ce cheval, il est déjà battu, mais vitesse qu'il vient l'eau Amanda prend peur et il chaille, oui, et Basson arrête mon cheval-là, l'eau des derniers foulées, mais. C'est-à-dire qu'il entraîne Jean-Michel Henry après les courses, les Tivine Gate Film avec le jockey Bassante. Mais après avoir revu le head-on, j'ai décidé donc pour pas loger une protestation contre le vainqueur. C'est-à-dire de toute façon, Manolette qui termine à la deuxième place dans sa course. Mais pour sa faute en ligne droite, quand il était incommode, Middlepuff, et quand il fait Amanda grimper, le jockey. Dinesh Chauffoul les coupes, une semaine suspension et 25 000 euros d'amende. Il finit aussi sous l'appel Elusive Post, donc ce qui fait que Lipoin a 4 journées de suspension à piéger à partir de ce week-end. Dinesh Chauffoul. Là, justement, sur ce week-end épique, pour commencer samedi avec l'entrée qui nous est proposée, Elusive Post qui venait d'ailleurs de la Big Mistake. Tripis Express, Spera Palace, Mambo Rock, Nii et Roll of Drums, un nouveau de Pritam Debi. Oui, un sans côté Tripis Express paraît qui démarque du lot, c'est vraiment très bien travaillé. Un petit peu décevant ce dernier des courses, quand il gagne Battle of Tower Wisdom, on pensait qu'il vaut beaucoup plus que ça. C'est voilà un très bon track worker, il paraît dans une belle forme et sur le papier, c'est le cheval à battre. Ce nouveau, Roll of Drums. Bon, il a longuement entraîné, pas fini trop faussé, mais il a un bon travail de base. Il bien travaille. Nous trouvons ici à l'intérieur de Best Day of My Life un mardi matin. Mais pour une première sortie, on pensait qu'il est capable de business des courses. Nick, tu fancy la fois dernière? Oui, bon. C'est une course difficile, mais je pense que dans un lot pareil, il n'est pas plus facile pour lui face à un jeune coursier comme Tripis Express. Ce qui est dit sur la course de samedi, dimanche, les yeux et les courses en perspective. Princess Margaret Cup avec Rule the Night, Undercover Agent, Baritone. World Tag, Procalarum, Pietro Mascani. Undercover Agent, peut-être bien que c'est Derek David qui peut associer à ce coursier. Oui, Derek David d'ailleurs qui finit l'occasion de monter Undercover Agent hier. C'est voilà, pas fini de galoper depuis le Barbé. Donc, un long break sur l'entraîneur, donc finit de donner une grosse galop hier. Et nous trouver sous les sollicitations de David, il prend le dessus sur Pera Palace à la fin. Donc, c'est voilà, dans une très bonne condition. Mais il a quand même un bon adversaire dans les courses, notamment Rule the Night, qui peut certainement avantager dans les courses à poids pourage. Rule the Night qui finit contenté d'un travail d'entretien, mais qui finit maintenir visiblement une très bonne condition. Baritone également,
qui reste aux deux victoires d'affilée. Bariton a tout autre cheval cette année, qui saignait d'une narine à l'issue de sa dernière victoire, mais rien de bien grave à croire sur l'entourage. Il dit aussi lui maintenir une belle forme. D'ailleurs, nous trouvions à l'écran, il nous montrait lui très enthousiaste à l'heure du travail. Wolterg? Wolterg, qui galope à 990 mètres dernièrement, il y a deux semaines, qui retourne avec une boiterie. Lui, dans une bonne condition, pas fini de travailler trop vite. Il y a une chance d'outside avec Ben of Edium, mais on pensait qu'il vous faisait quand même plus de semaines de réserve pour dominer les Undergraduate, Rouvenite ou encore Bariton. Un week-end intéressant en perspective, mais pas facile, Manekou, c'est un nougat l'entrée. Déjà, pour gagner plus de détails sur la journée de samedi dans Tough Time, vendredi soir et éventuellement la journée de dimanche, décortiquer samedi soir dans la même émission. Le film arrive à la fin des spécialistes du Tough. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention, bonne soirée et à bientôt.